À un certain âge, un enfant doit pouvoir s'amuser en faisant du vélo. C'est un moyen rassurant de stimuler son apprentissage. C'est pourquoi investir dans un vélo bébé est conseillé. Vous pouvez ainsi l'emmener en balade pour découvrir le monde extérieur. Cependant, certaines fonctionnalités sont à tenir compte pour faire un choix judicieux. Par exemple, il faut choisir en fonction de la morphologie du tout petit. Bref, pour vous aider à faire un choix parmi une grande variété de modèles sur le marché, nous vous conseillons de consulter notre comparatif. Il regroupe pour vous une liste des 3 meilleurs vélos bébés du moment. Commençons avec le premier vélo bébé sur la liste, le haut de gamme AVEO de la marque Kindercraft. Ce modèle est une alternative à la poussette canne. Avec sa conception modulaire, vous pouvez adapter les fonctions du vélo aux aptitudes de votre bébé. Question de confort, sachez que ce vélo bébé est doté de repose-pieds confortables qui permettent à l'enfant de se reposer après une fantastique balade. Et avec son système de roue libre, le bébé peut pédaler sans alimenter le vélo. Cependant, lorsque l'enfant se sent prêt, il suffit de retirer la poignée parentale pour qu'il puisse conduire avec indépendance. AVEO est sécuritaire pour le bébé. Grâce à son harnais de sécurité à 5 points avec des protections amovibles et une rambarde, la sécurité de l'enfant est assurée. De plus, les deux roues arrière embarquent des freins. Et question de transport, ce modèle est facile à plier, ce qui facilite son transport dans le coffre. Mais encore, vous pourrez le cacher dans le garage ou dans l'armoire de la maison. Ce modèle de Kindercraft possède des atouts incontestés. Sa conception modulaire, son confort d'utilisation, ses dispositifs de sécurité, et sa facilité de transport. En revanche, on déplore le fait qu'il soit assez lent à monter. Et son côté assez encombrant. Ce vélo haut de gamme est très impressionnant d'après les avantages qu'il a à nous offrir. Pour de plus amples renseignements, les liens sont à votre disposition dans la description de cette vidéo. Nous allons poursuivre avec le modèle de Faber. On parle ici du vélo bébé Baby Plus Music offrant le meilleur rapport qualité-prix. Pour offrir plus de confort au bébé, ce modèle est doté d'un repose-pied amovible lorsque le bébé est assis. Concernant ses dispositifs de sécurité, ce vélo bébé possède une barre de sécurité pliable, une ceinture de sécurité et un pare-soleil pour mieux protéger l'enfant. À part cela, une fois que le bébé grandit, ce modèle est pourvu d'un embrayage manuel et d'un réglage qui vous permet de déverrouiller les pédales. Ceci afin de permettre à l'enfant de conduire de façon indépendante. Et du côté des parents, sachez que ce vélo bébé leur facilite la vie. Il possède un système facile à conduire, une structure en métal durable et résistant, des roues en caoutchouc silencieuses et une canne parentale réglable en 3 positions. Pour finir, pour son transport, un sac de transport en tissu est livré avec ce modèle. Voici ce que nous aimons sur ce vélo bébé Baby Plus Music au meilleur rapport qualité-prix. Le confort procuré. Ses dispositifs de protection, son évolution avec l'enfant. Et sa praticité. Néanmoins, on regrette, sa notice mal expliquée. Et son matériau fragile. Malgré les petits défauts que nous avons constatés sur ce vélo, cela n'enlève en rien ses qualités. Des liens sont disponibles dans la description pour des détails en plus. Parlons enfin de notre vélo de route coup de cœur. C'est celui de la marque Smoby que nous adorons. Il s'agit du modèle Baby Balade. Votre bébé peut être installé confortablement sur le siège de ce modèle ajustable en 2 positions. Grâce au système de guidage parental intuitif, sachez que ce vélo bébé est pratique puisqu'une légère pression d'un côté ou de l'autre de la poignée parentale permet de faire tourner la roue avant. Aussi, avec son harnais et son arceau de sécurité, le bébé pourra poser ses pieds sur les repose-pieds ergonomiques et rétractables. Ainsi, votre enfant pourra profiter pleinement des balades tout en s'amusant avec le klaxon intégré. Mais encore, embarquant une petite bague située sur le guidon, ce vélo bébé permet de transférer très facilement la direction du parent vers l'enfant et inversement. De cette façon, c'est vous qui choisirez qui conduit le vélo pendant la promenade. Enfin, avec ses roues silencieuses, vos balades seront agréables et paisibles. De plus, le dispositif de roue libre vous évitera toute blessure et permettra au bébé d'utiliser les pédales comme un repose-pied quand vous guiderez le vélo. Les 4 atouts de ce vélo de route sont son siège ajustable, ses 2 dispositifs de sécurité, la bague sur le guidon, et ses roues silencieuses. Toutefois, nous n'aimons vraiment pas son parasol qui tombe. C'est la fin de cette vidéo, et nous espérons que ce top 3 vous aidera à réaliser le meilleur achat. Si vous voulez encore plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis et retour en commentaire sur les produits que vous aurez testés. La vidéo vous a plu? Vous pouvez la liker et vous abonner pour de nouveaux comparatifs. À bientôt sur Guidomatic.